Au lancement de ce webinaire. Donc, l'idée de ce webinaire, en fait, il s'inscrit dans un projet un petit peu plus élargi au sein d'Agroof. Donc, comme la plupart d'entre vous le savent, donc Agroof est une société coopérative. On est impliqué dans pas mal de projets de recherche, en plus de développer des activités d'accompagnement de projets ou de formation. Et l'idée de ce webinaire, c'était de favoriser aussi la diffusion un petit peu des projets et des résultats des projets qui sont ou en cours ou terminés, même si sur notre site web, vous pouvez retrouver en fait l'ensemble hein, des résultats au fur et à mesure que nous les avons hein, dans ces projets-là. Donc aujourd'hui, on se propose de faire un état des lieux du projet Agroforestry en compagnie donc, de Laurent Alibert de l'IFI, de l'Institut technique du port. Donc, qui prendra la parole, voilà, on s'est partagé un petit peu la parole en fonction des résultats. Donc, on sera deux à discuter, à présenter les résultats pendant une petite heure. Et puis après, comme Hélène l'a signalé, eh bien, on laissera une demi-heure de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions hein, sur le chat parce que nous, ça nous permet aussi de les préparer un petit peu à l'avance et puis de garder une trace écrite également. Voilà. Donc, je vais lancer le partage d'écran. Voilà, donc ce projet, en fait, Agroforestry porte bien entendu sur la question donc, de l'élevage porcin et de l'agroforesterie, donc de sa compatibilité et des nombreuses questions que ça pose. Il fait suite en fait à un premier projet qui avait été soutenu par la Fondation de France qui s'appelle du roc de la feuille, où l'idée c'était de faire un petit peu un tour de France des différents acteurs de la recherche, du développement, du terrain. Autour des pratiques d'élevage extensif de porcs, que ce soit avec les races locales qui sont déjà un petit peu dans cette lignée de pâturage sous les bois, hein, où ça peut même être inscrit dans le cahier des charges de ces races, jusqu'aux productions labellisées ou de porcs plein air, où ces problématiques en fait, de parcours et de la place des arbres dans ces parcours peuvent se poser. Donc, dans ce projet, on a différents financeurs. Donc, il y a la Fondation de France qui nous soutient donc, maintenant depuis 3 ans. Mais pour certains partenaires, dont notamment l'association Baron des Cévennes, donc, qui est un regroupement d'éleveurs avec l'appui d'Alès Aglo pour la mise en place d'une filière porcine sous les chênes et les châtaigniers. Plutôt de Méditerranée, donc entre le Gard, l'Hérault et puis la Lozère. Donc, vous avez ici un petit peu donc, l'organigramme avec les différentes sources de financement. Les partenaires, on va retrouver les différents groupements traditionnels où l'agroforesterie fait partie du cahier des charges. Donc, vous avez le porc Quintoa basque, vous avez le porc noir de Bigorre, qui est l'appellation la plus importante en termes de nombre d'éleveurs. Vous avez également l'écusson noir, donc, qui concerne le cul noir du Limousin, donc une petite association avec une douzaine d'éleveurs. Et puis Baron des Cévennes, également avec une petite dizaine d'éleveurs, donc là plus dans les Cévennes. On a une cinquième association hein, qui est le Porco Nustral et de Corse, qui ne fait pas partie ici des partenaires. Il a été à un moment donné dans un projet précédent, mais qui concerne aussi effectivement hein, de l'élevage porcin donc en Corse sous les chênes ou les châtaigniers. On était encore la semaine dernière donc à participer à une journée technique avec eux. On pourra aussi en discuter si jamais il y a des questions là-dessus. Au niveau de la recherche et du développement, vous avez l'IFIP donc avec Laurent qui sera là. Il pourra peut-être présenter rapidement les travaux qui sont faits au sein de l'Institut. Le FIBEL pour l'agriculture biologique, l'INRAE d'Orléans sur la partie arbre, et puis la Chambre d'agriculture basque qui est également partenaire en soutien avec la filière Quintoa. Et puis à côté de ça, on a différents partenaires qu'on a associés au développement du projet, des gens avec qui on travaille notamment dans le cadre de projets européens. Il y a l'Université de Lisbonne, notamment sur les systèmes de Montao, qui est l'équivalent de la DSA,
en Espagne, donc l'élevage de porcs sous les chênes. Alors pour la partie portugaise, c'est plutôt des chamièges. Et puis l'université de Plasencia en Espagne, là, donc là pour le coup, pour la DSA, donc avec Gerardo Moreno, notamment un des chercheurs en pointe sur ces questions-là, mais également des partenaires danois et italiens. Donc vous avez l'université à Aarhus et l'université de Florence qui travaillent sur des problématiques donc de pâturage en plein air et en association avec des arbres, mais sur des surfaces peut-être plus réduites que dans le système de la DSA, hein, où on a des parcelles quelquefois qui peuvent faire 300, 400, 500 hectares d'un seul tenant. Là, on est plus sur des exploitations qui ressemblent un petit peu aux nôtres en France, et avec des problématiques qui correspondent tout à fait à ce qu'on fait là dans Agroforestry. Voilà. Et puis l'association Porcunusrale, notamment avec la participation du lycée agricole de Sartène. Notamment, on va mettre en commun toutes les données qu'on a pu avoir dans la bibliographie sur ces questions et qu'on mettra en ligne à l'issue du projet. Alors, peut-être pour rappeler un petit peu le contexte de ce projet. Donc, effectivement, il y avait cet accompagnement des associations traditionnelles où, grosso modo, voilà, il y avait des problématiques d'amélioration d'efficacité en fait, de l'association porc et arbre. On va y revenir après. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que par rapport à la France, on reste sur un créneau qui est assez confidentiel, puisque ce qu'on fait avec ces associations ou ces groupements ne représente même pas 1% en fait, de la production. Ici, vous avez la courbe de production dans l'Union européenne des différents pays avec la viande de porc. Vous voyez que la courbe pour ce qui concerne la France, elle est relativement stagnante, voire même légèrement en décroissance, alors que vous avez des pays comme l'Espagne ou le Danemark où il y a une très forte progression. Donc, ça pose la question, effectivement, de la place de notre travail hein, dans cette évolution, sachant qu'en France, la production de porc, elle est aussi très localisée, très régionalisée, avec l'essentiel, en fait, dans le Grand Ouest, hein, entre la Bretagne et la Normandie, et une partie également dans le Sud-Ouest. Voilà, on est sur des productions souvent de type industriel, hein, où le parcours est extrêmement limité. Il concerne en fait que les productions traditionnelles, donc, comme le porc noir de Bigorre hein, que j'ai cité. En porc bio aussi, il y a des obligations de parcours. Dans le label rouge, ça va dépendre un petit peu des différents labels, mais on peut aussi avoir la possibilité d'intégrer des parcours dans cette production, mais ce n'est pas quelque chose de systématique. Par contre, ce qui est important peut-être de noter pour la partie France, quand on regarde un petit peu les chiffres de la balance commerciale, c'est que la France donc, produit un petit peu plus que ce qu'elle consomme. Elle exporte beaucoup de viande fraîche, mais quand on regarde le niveau d'importation, eh bien, on importe aussi beaucoup. Et notamment, si vous regardez un peu dans le graphique à droite, vous allez voir que la charcuterie est un poste important en termes d'importation et qui, vous avez les chiffres là, donc de 2001 à 2021, et vous voyez qu'on a quasiment doublé l'importation de charcuterie et de pièces transformées, donc du jambon sec, et essentiellement d'Espagne, mais également d'Allemagne et d'Italie. Donc, on exporte beaucoup de viande fraîche, mais on importe aussi beaucoup de viande transformée. Et quand on regarde un petit peu en termes de valeur, eh bien ça a représenté l'an passé quelque chose comme 400 millions d'euros de déficit. Donc, on a malgré tout un marché qui est là, même si tout à l'heure on en discutait avec Laurent, il faut aussi le relativiser parce qu'en fait, là, c'est des chiffres globaux. Mais après, il faut bien voir que pour mettre en place une filière de produits transformés, et il faut travailler sur l'ensemble du secteur. Il ne suffit pas de dire, tiens, voilà, on va changer, on va travailler sur des produits de qualité. Il y a une demande, là, il y a un déficit. C'est tout un travail de fond qu'il faut faire depuis la production jusqu'à la transformation et la commercialisation. Et qui, effectivement, pas forcément encore bien en place. La production de porc labellisé, là, ici, vous avez les courbes pour la production de label rouge, elle est assez fluctuante, finalement. Hein, si on regarde les chiffres depuis 2005, on voit qu'on a eu deux vagues. Et depuis 2015, il y avait une augmentation qui était assez nette hein, chaque année jusqu'en 2020. Mais en 2021 et 2022, eh bien, on assiste un petit peu à une baisse.
Alors, il faut bien distinguer ce qu'on appelle la production en label rouge de la production en porc bio, ou voire même en IGP. Et notamment, dans ces chiffres, en fait, par contre, ce qui ressort un petit peu, c'est qu'il y avait une demande, il y avait une commercialisation, mais là, il y a une petite baisse depuis 2 ans, et notamment sur la partie jambon sec également. Ça pose des questions en termes de marché par rapport au travail qu'on va faire. L'autre aspect, l'autre point de vigilance aussi, c'est le prix payé au porc charcutier, au kilo de viande. Donc, vous avez ici le prix du porc charcutier, mais toute production confondue. Hein, donc, vous voyez que ça peut fluctuer entre 1,20 € et 2 euros en 2022, mais également un prix d'aliments qui a beaucoup évolué, là, qui a presque doublé suite au conflit qu'on a en Russie. Et quand on travaille en fait sur les productions un petit peu de plein air, le coût de l'alimentation est un poste quand même finalement qui est aussi important, parce qu'il y a beaucoup d'exploitations qui dépendent notamment de l'achat de concentrés pour l'alimentation des porcs. Donc ça peut surenchérir en fait le coût de production de ces viandes. Donc, des appellations un peu particulières. Hein. Donc, tout à l'heure, je disais, il n'y a que 5 appellations où, dans le cahier des charges, il y a vraiment une spécification sur l'agroforesterie. Vous avez d'autres cahiers des charges avec d'autres appellations, hein, comme notamment les races de porcs en Normandie, avec le porc blanc de Bayeux, par exemple, où il y a des obligations de parcours, mais pas forcément donc, d'agroforesterie. Mais bon, pourquoi pas, ça pourrait tout à fait faire partie un petit peu des discussions pour ces productions porcines. Donc, voilà. Donc, vous avez le port basque, hein, dont vous les avez situés là maintenant ici au niveau géographique. Si je prends par exemple l'exemple en fait, du Baron des Cévennes, donc c'est une association qui est très récente, hein, qui a maintenant peut-être 5 ans d'existence. Donc, c'est très court en fait, hein, par rapport au retour d'expérience, tout simplement parce qu'en fait, la durée de l'élevage des porcs va s'étaler de 1 an et demi à 2 ans avant abattage. Et puis après, quand vous faites du jambon, notamment affiné pendant 36 mois, vous voyez qu'on arrive aux 5 ans. Donc, on commence à avoir maintenant en fait une espèce de rythme de croisière pour donc ces 10 éleveurs qu'on accompagne. Par contre, c'est des éleveurs qui sont situés donc, soit dans les Cévennes, soit en Garrigues, donc dans des contextes parfois très différents. Donc, vous avez ici, par exemple, des parcelles qui sont purement forestières, donc avec des densités d'arbres différentes, ou à contrario, à droite, vous avez ici une exploitation avec une prairie et qui a été complètement réaménagée. Donc là, on a planté donc, de A à Z donc, cette parcelle. Donc, je vous montrerai tout à l'heure cet exemple. Les questions qui reviennent généralement hein, dans les enquêtes qu'on a menées un petit peu dans toute la France, c'est lorsqu'on a des chargements de porcs très élevés à l'hectare, c'est comment maintenir les arbres vivants, parce qu'il y a un impact très fort de l'activité des porcs sur le déracinement, l'écorçage, l'abrutissement donc des arbres et des arbustes. Et donc, se pose la question, à partir de quel chargement on peut arriver? Est-ce qu'il y a un effet race? Est-ce que c'est une question de mettre un anneau ou pas dans le groin? Est-ce que c'est une question d'alimentation aussi? Est-ce que les animaux ont assez à manger et c'est pour cela qu'ils peuvent s'attaquer peut-être plus facilement aux arbres? Donc, ça pose quand même pas mal de questions. Toujours est-il qu'il y a pas mal d'érosion au niveau du sol, comme vous pouvez le voir sur la photo. L'idée sous-jacente dans ce projet, c'est également de travailler sur le microclimat et donc le bien-être animal. Donc, on va raisonner en fait par catégorie hein, entre les porcelets, les truies ou les porcs à l'engraissement. Le stress climatique ne va pas s'exprimer de la même manière. Donc, chaque fois, il y a des questionnements différents. Et puis, donc, techniquement, il y a une question qu'on va aborder dans l'agroforesterie, c'est comment protéger les arbres et puis éventuellement donc, cette question du chargement. Donc, ça se pose effectivement hein, pour les peuplements âgés. Ici, vous voyez un peu les effets en fait, de l'écorçage et du frottis des cochons sur les arbres et qui peut aller jusqu'à la mortalité des arbres hein, au bout de 3-4 ans lorsqu'on est sur des chargements avec une vingtaine de cochons à l'hectare. Hein. Donc, dans les prairies à planter, eh bien là, on va travailler sur le cloisonnement. On va créer plusieurs paddocks sur la parcelle. On va travailler sur la rotation.
Donc, il y a des questionnements techniques, notamment par rapport à l'accès à l'eau, la circulation aussi pour donner à manger, notamment par rapport aux normes sanitaires et notamment par rapport à la peste porcine, parce qu'on ne peut pas rentrer dans les parcelles. Donc, il faut avoir aussi, par exemple, là, dans ce cas-là, une allée centrale pour accéder à toutes les parcelles facilement. Ça pose des questions en termes d'aménagement par rapport au type d'aménagement, aux objectifs qu'on va rechercher, notamment par rapport aux haies qu'on va mettre pour protéger du vent ou pour la production de fourrage ou de l'ombrage. Donc, je vous détaillerai ça tout à l'heure. Dans le travail qu'on a mené dans l'agroforesterie, donc, on avait un peu trois actions phares. C'était déjà de faire un peu un inventaire des pratiques traditionnelles, essayer de repérer des arbres intéressants, essentiellement avec chêne et châtaignier. Et pour le chêne, c'était l'idée de trouver éventuellement des chênes à glands doux utilisés de façon un peu traditionnelle, donc sous forme de peuplement pâturé. Donc, il y avait cette question de faire des inventaires des plantades, puisque c'est comme ça qu'on les appelle dans les systèmes français, donc l'équivalent de la DSA, on va dire. Un inventaire des sites méditerranéens et des pépiniéristes qui travaillaient sur ces questions aussi de chênes à glands doux. Une fois qu'on avait fait cet inventaire, on a été repérer des individus remarquables pour faire des prélèvements de glands et de châtaignes pour les analyser plus finement. Alors Laurent présentera un peu les résultats. On a beaucoup travaillé avec l'ONF de Tarbes qui avait fait un peu ce travail d'inventaire des plantades. Et puis, en parallèle, on a décidé de travailler sur l'ensemble de la gamme de fruitiers fourragers, des fruitiers à fruits secs ou à noyaux ou à pépins, qui peuvent rentrer en fait dans l'alimentation des porcs et peut-être diversifier l'offre alimentaire qu'on pourrait avoir. Sauf qu'effectivement, il fallait passer aussi par une analyse en fait de ces fruits, faire un inventaire aussi des travaux qui ont été faits, parce que pour certains fruitiers, on avait déjà pas mal de données qui étaient disponibles. Alors, voilà par exemple, on a produit une carte avec l'inventaire des plantaines qui sera mise en ligne. Une difficulté qu'on a eue dans ce travail, ça a été finalement, en France, les systèmes traditionnels ont quasiment disparu. Et quand ils existent, comme par exemple pour le porc noir de Bigorre ou le porc quinto à Basque, on se rend compte que dans l'historique, on est sur des pratiques qui avaient quasiment disparu entre 1900 et 1930. Et on a perdu un peu ces connaissances autour de quels étaient les bois qui étaient pâturés, quels étaient les peuplements de chênes à glands doux. Avec aujourd'hui des agriculteurs qui se sont installés peut-être sur des exploitations familiales ou hors cadre familial, et donc vraiment une difficulté pour vraiment repérer ces histoires de plantades. Et le travail qu'on a fait avec l'ONF, finalement, on s'est rendu compte que, là ici, vous avez une photo à gauche, voilà le type de plantade qui avait été repéré par les recensements pratiqués par l'ONF dans les années 1990-2000. En fait, il s'agissait plutôt de plantations de type colbert, donc des plantations de chênes, qui étaient pâturées effectivement par les cochons, mais qui n'étaient pas en fait des peuplements sélectionnés par des éleveurs de cochons pour leur capacité à nourrir les cochons et à produire ce qu'on appelle des glands doux. Donc ça a été un petit peu la surprise en fait de ce travail. Et si on prend par exemple la zone en Méditerranée, ça a été encore plus compliqué, sachant qu'il y a quasiment plus d'éleveurs de porcs à part quelques porcs individuels. Mais il n'y a quasiment plus de zones vraiment identifiées en tant que telles. On pourrait dire, ici, sur cette zone, il y a eu du pâturage de cochons pendant des siècles. Là, il y aurait encore un gros travail pour essayer d'identifier tous ces chênes qui ont été même parfois déjà exploités, quoi. Donc, dans ces sites qu'on a quand même repérés autour des pratiques traditionnelles, on a collecté des fruits, donc 300 grammes de fruits pour chaque échantillon. On les a pesés, on les a décrits, on a mesuré leur taille. Et puis, je vais laisser la parole à Laurent pour présenter un peu les résultats. Alors, si tu veux, Laurent, je peux passer les diapos. Oui, comme tu veux, sinon, on peut y aller comme ça, c'est plus simple. Donc, effectivement, on a fait des analyses de ces différentes matières premières. Je veux bien que tu passes la suivante. On en avait deux catégories. On avait des glands et donc des châtaignes. Alors, on a fait plus de glands parce que la châtaigne, c'est un produit qui est plus connu en porc et qui est déjà utilisé dans certaines filières. Il y a
il y a quelques filières qui utilisaient la farine de châtaigne. Donc, on avait un peu plus de références. Et le blanc, bah, effectivement, on avait très peu de références. Donc, on a essayé d'en construire. Alors, pour ça, on a fait une analyse. On a fait 33 échantillons. Enfin, on a analysé 33 échantillons et on a fait une analyse la plus complète possible qu'on pouvait faire. Donc des critères analytiques, hein, l'humidité, protéines, matière minérale, différents types de fibres, hein, les fibres totales, NDF, ADF, ADL, de l'amidon, de la matière grasse, la cellulose, les sucres, le phosphore, pour avoir une idée, puisqu'on n'en avait pas, et puis les principaux acides aminés qui nous intéressent aujourd'hui en nutrition porcine, c'est-à-dire lysine, méthionine, cystine, threonine, tryptophane et valine. Donc, on a fait, alors on n'avait pas beaucoup plus d'ambition, enfin, au regard des finances que cela, d'avoir déjà une idée dans un premier temps. Et on voit quand même que quand on regarde les glands, bah, alors on n'a pas pu différencier les différents types de glands dont parlait Fabien. Enfin, on a des données individuelles qui ont été transmises aux fournisseurs, mais faire des catégories de types de glands, ça nous paraissait un peu compliqué au regard du faible nombre d'échantillons. Donc, on a fait une moyenne et une différence. Alors, ce qu'on peut noter, c'est qu'effectivement, on a une grande différence sur l'humidité, mais ça, c'est normal, puisque les produits étaient ramassés tels quels. Également, une variabilité assez importante sur la protéine. Elle varie de 4 à 8 avec une moyenne de 5. Enfin, tout est très variable, bien évidemment. Ce qu'on a noté, c'est que c'était des matières premières assez riches en aminons, finalement, avec une moyenne à 41, un mini à 24 et un maxi à 50. Et pas si riche que ça. La matière grasse était assez limitée. Bon, peu de phosphore hein, dans ces matières premières. Et ce qui nous intéressait, les acides aminés, parce que quand on parle d'alimentation porcine, ben, pour nourrir du cochon, il faut de l'énergie. Donc, c'est l'amidon, la matière grasse, une partie des fibres selon les stades physiologiques. Et derrière les acides aminés, on se rend compte quand même que c'est pas très, très, très élevé en acides aminés, donc ça ne peut pas faire une ration, pas considérer que c'est un aliment complet pour couvrir les besoins des animaux, notamment vis-à-vis de ces protéines. Alors ça se retrouve aussi en haut, parce que la protéine, on a une protéine moyenne de 5, c'est trop peu pour nourrir du cochon pour couvrir ses besoins. Donc on a une assez variabilité. Bon, ça nous donne déjà, enfin, au-delà des variabilités, ça nous donne une véritable information qu'on n'avait pas trouvée vraiment dans la littérature sur ces différentes valeurs. Derrière ça, on a, alors passe l'échantillon, la diapositive suivante, s'il te plaît. On a regardé une petite différence. Alors, on a décortiqué, alors j'ai décortiqué plus exactement des glands pour voir un peu qu'est-ce que ça apportait. Alors, on n'a pas fait tous les échantillons, on en a fait quelques-uns pour voir quelle était la différence, quelle était l'incidence de cette différence. Et on a aussi fait de la digestibilité de la matière organique et de la digestibilité de la protéine. Alors, c'est de la digestibilité in vitro. Hein. On a fait appel à un laboratoire, on n'est pas allé faire de la digestibilité avec des animaux parce que le budget ne le permettait pas. Enfin, dans le budget qu'on avait prévu, c'était pas envisagé. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est que quand on décortique, on a finalement ce qu'on s'y attendait quand même plus de moins de fibres, légèrement moins de fibres, surtout de la fibre non digestible ADL hein, qu'on a en moins. Et donc, on concentre l'amidon, la matière grasse. La protéine, finalement, alors elle est à mettre au regard alors c'était les mêmes échantillons hein, qu'on a analysés, qu'on a comparés entre les décortiqués. Hein. Elle est un peu plus, les produits sont un peu plus humides, donc bon, ça doit jouer, mais c'est pas, on n'enrichit pas beaucoup en protéines, c'est plutôt en valeur énergétique. Et sur les acides aminés, ben, ça se retrouve puisqu'on n'a pas beaucoup de différence de valeur acide aminé. On n'avait pas fait la digestibilité sur le décortiqué parce que c'était pas globalement, on va plutôt, enfin les animaux mangent plutôt des glands entiers que décortiqués. C'était plus pour avoir une information. Je veux bien la suivante maintenant. Sur la châtaigne, on a aussi fait la même chose. Alors moins d'échantillons, 8, mais c'était donc un choix de notre part de se concentrer sur le gland. Donc c'est des. Alors, ce qui m'a un peu surpris finalement, c'est que je m'attendais à avoir une différence assez notable entre la châtaigne et le gland. Ce sont les matières premières que j'utilise. Alors, je suis ingénieur, j'aurais pu me présenter, effectivement, je suis ingénieur en nutrition porcine et j'accompagne aussi les filières
les petites filières sur la partie alimentation. Et je ne m'attendais pas à avoir finalement des matières premières aussi proches entre la châtaigne et le blanc. Alors, c'était un. Voilà, je note, je constate hein, que en valeur protéique, en valeur amidon, enfin, c'est des matières premières qui sont assez semblables. Que je considère aujourd'hui plus comme des matières premières énergétiques que protéiques. On regarde la protéine, quand vous avez des matières premières à 5, 6, 7 de protéines, on ne peut pas considérer que c'est des matières premières protéiques, mais bien des matières premières énergétiques. Et là, alors, le décortiqué, c'était un échantillon un peu particulier parce que c'était un échantillon de châtaigne décortiquée du commerce voilà, qui est vendu comme ça. C'est un peu plus facile pour moi, j'avoue que. Plutôt que décortiquer les glands, parce que ça demande pas mal de boulot quand même. Mais on voit effectivement qu'on joue aussi beaucoup sur la cellulose, mais bon, voilà, c'était du décortiquage industriel, donc c'est un petit peu différent. Toujours aussi autant de variabilité, hein, peut-être un peu moins sur l'humidité, mais peut-être un peu moins aussi que sur le blanc, mais il y a quand même une variabilité qui existe. Voilà. Et les acides aminés, ben, on se retrouve un peu dans les mêmes cas, pas forcément. Beaucoup d'acides aminés, mais ça nous donne déjà une idée avec la digestibilité de la matière organique et de la protéine qui est autour de 40. Je veux bien que tu passes à la suivante. Alors derrière ça, on a voulu donner des valeurs, estimer les valeurs énergétiques. Il y a dans les tables, on peut trouver des valeurs énergétiques de la châtaigne. Le gland, c'était un peu plus. Enfin, moi, j'en avais pas à proprement parler. Donc, on a essayé d'estimer avec des équations qui sont celles-ci. Hein. Alors, c'est un choix personnel. C'est des équations un peu générales avec lesquelles on a l'habitude de travailler à l'IFIP quand on a des matières premières un peu hors du commun. Parce qu'il existe des énergies, des équations énergétiques par matière première. Là, c'est quelque chose un peu qui nous permet de faire une première approche. Donc, en port, on travaille beaucoup en énergie. Enfin, on travaille depuis une vingtaine d'années sur l'énergie nette. C'est l'énergie qui est réellement utilisée par les animaux. Donc, on a fait une estimation avec deux équations pour voir un peu les différences qu'il y avait, pour montrer quand même que c'est fragile quand même notre approche pour l'instant, hein, parce qu'elle demande plus d'échantillons, plus de travail un peu sérieux. Mais c'est déjà une première approche. Donc, je vais te demander de passer les résultats, s'il te plaît. Tu devais être derrière. Voilà. Donc, je vous ai mis les valeurs sur sec et sur brut pour montrer l'importance quand même de l'humidité. Donc le gland entier avec les deux équations, énergie nette et on va regarder sur l'énergie nette, EN1 et EN2. On voit quand même que dans notre équation, enfin nos deux équations sont assez proches sur l'énergie nette. C'est vrai pour le gland. Le gland décortiqué, on le retrouve un peu plus riche en énergie. Alors, assez même très riche en énergie. Alors, si on regarde les équations, la question qu'on peut se poser, est-ce que les équations sont adaptées à ces matières premières hein? Je reste vigilant là-dessus. Et pour la châtaigne en terre, sur sec, hein, bien sûr, faut les comparer sur sec, c'est plus simple. La châtaigne également, alors je suis un peu, voilà, pas surpris, mais voilà, je constate que la châtaigne, avec ses équations, bah, est moins riche en énergie que le gland. De manière assez significative, et c'est aussi vrai ce qu'on trouve avec la châtaigne décortiquée voilà, dans les deux cas. Quand on regarde sur le brut, c'est-à-dire qu'on va tenir compte de la matière d'humidité, ben on voit qu'il y a aussi des variabilités, mais ça c'est normal. Ce que je retiens de ça, moi, c'est que quand j'essaye de me comparer, je dis finalement, ça serait quoi ma référence? Eh bien, j'ai envie de dire. On se rapproche d'un maïs finalement, selon d'un petit maïs, pas d'un très gros maïs, mais on est plutôt sur la valeur protéique d'un petit maïs. La valeur énergétique est un petit peu en dessous, mais ça, enfin, en tout cas pour le gland, la châtaigne, c'est un peu moins vrai. Ce n'est pas des matières premières très énergétiques, mais c'est plutôt des matières premières énergétiques. Voilà. En première estimation, je dirais, ça pourrait s'apparenter, se rapprocher du maïs. Il manque un peu d'énergie quand même, hein, mais on s'en rapproche un petit peu. Donc, ce n'est pas des mauvaises matières premières. Après, la difficulté derrière, c'est que bah, on a de l'énergie. On n'en a pas. Quand je dis maïs, c'est un gros et un petit maïs quand même. On n'en a pas de trop. Par contre, ce qui nous manque fortement, c'est de la protéine et des acides aminés pour faire déposer du muscle. Voilà, c'était une première étape dans le travail de ces matières premières. Parce qu'au départ, on avait un projet plus ambitieux, mais on n'a pas été au bout. C'est vrai que ça demande un peu.
pour les éleveurs d'apporter peut-être un peu des capacités de la gestion, on voudrait savoir un peu jusqu'où ils peuvent manger. Alors, les discussions avec nos amis des races locales nous disent ils en mangent, ouais, c'est vrai, mais c'est. Ils peuvent en manger beaucoup, pas beaucoup, on ne sait pas bien, on voit que ça disparaît. Voilà. C'est ça qui serait intéressant, c'est de voir leur capacité d'ingestion face à ça. Essayer de travailler sur des complémentaires adaptés, c'est-à-dire que pendant la période où il y a des glands et de la châtaigne dans les parcs, parce que c'est quand même saisonnier, non pas d'être distribué d'aliments complets, mais apporter un complémentaire qui permettrait de. En tenant compte de ces analyses, de couvrir les besoins des animaux, ça permettrait de faire quelques économies de matières premières, d'énergie, etc. Après, il y a d'autres sources de fruits, entre guillemets, je les appelle fruits, mais de manière générale, qui pourraient être envisagées. On a fait une petite analyse, je crois, c'est du cormier, je crois, Fabien, que j'ai fait une analyse, mais je ne présente pas ça parce que, en toute modestie, avec un échantillon, il faut être vigilant. Il y avait voilà, il y a tous les fruits un peu plus classiques, poires, pommes, etc., qu'on pouvait avoir, alors qu'ils sont toujours un peu plus riches. En fait, la question autour de tout ça, c'est que toutes ces matières premières-là, finalement, ce sont quand même des matières premières plutôt qui vont apporter de l'énergie, de la cellulose, et ça, il en faut aussi. Mais il y a peu de matières premières qui apportent la protéine. Donc, ça sera toujours le petit frein, la petite question qu'il faudra avoir, c'est comment on apporte la protéine dans cette approche-là. Donc, il y aura toujours une nécessité d'avoir un concentré pour apporter la protéine. Parce que ce qu'on vend quand même quand on vend du cochon, même de la race locale, même si leurs besoins en protéines sont plus faibles, c'est bien de la protéine. Hein, puisqu'on vend du jambon, on vend des pièces de muscles, donc il faudra apporter de la protéine. Voilà, c'est un peu la limite de la chose. Voilà. Et je pense que j'ai fini, je prendrai les questions après, il n'y a pas de souci. Du coup, je continue. Alors, sachant que le projet, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il se termine à la fin de l'année, hein, fin décembre, et on va refaire quelques analyses, hein, d'ici la fin de l'année sur quelques fruitiers, peut-être sur quelques châtaignes également. Alors, justement, là, donc, je vais vous présenter quelques résultats par rapport aux autres fruitiers, parce qu'en fait, les cochons, voilà, quand on les laisse en parcours, ils mangent beaucoup de choses. Des fruits sauvages et qui peuvent être plus ou moins riches en protéines ou en acides aminés ou en énergie. Donc là, l'idée, c'était de faire un peu un screening de tous ces fruits possibles donc pour l'alimentation des cochons, en concertation avec quelques personnes donc déjà un peu spécialisées sur ces questions hein, de parcours et d'alimentation, notamment en Espagne ou en Italie, où il y a un peu aussi cette expérience-là. Donc, voilà, je vais vous présenter quelques résultats. Là, par exemple, la teneur en protéines de quelques fruits. Donc, vous avez plusieurs fruits différents, hein, donc pommes, poires, donc à droite, donc tous les fruits à pépins jusqu'aux fruits secs, donc pistaches, amandes, noisettes, noix. Vous voyez que, oui, sans surprise, effectivement, on a des taux de protéines qui sont beaucoup plus importants donc sur les fruits secs que sur les fruits charnus. Vous voyez que le gland, donc là ici on l'a mis autour de 5, il se situe en fait au milieu et vous avez effectivement on a quand même une gamme de fruits qui pourraient potentiellement être intéressants parce qu'avec des teneurs en protéines beaucoup plus élevées. Si je regarde par rapport à la teneur en acides aminés, pareil, on va retrouver finalement ceux qui sont plus riches en protéines avec des niveaux d'acides aminés plus intéressants. Notamment, vous avez des fruits comme la pistache qui sont très riches en lysine, mais pareil hein, pour les amandes ou les noix ou les noisettes. Alors, donc effectivement, après la question qui va se poser derrière, c'est on peut avoir des niveaux intéressants hein, en pourcentage, mais après il faudra le raisonner aussi en termes de productivité à l'hectare, c'est-à-dire si je plante X noisetiers sur ma parcelle. Quel tonnage ça va avoir pour calculer effectivement la quantité d'aliments que ça peut représenter au final pour l'animal. On peut avoir des fruits assez peu riches, mais si l'arbre a un rendement ou présente un rendement et puis en tonnes de matière sèche très élevé, ça peut peut-être compenser en fait un plus faible taux et donc globalement avoir une valeur alimentaire plus intéressante.
Par contre, il y a des questions qu'on a encore un petit peu en suspens. On a commencé à y réfléchir, et puis notamment avec des chercheurs de l'INRAE, de Corte. C'est que ce qui nous intéresse dans ces fruits secs, c'est notamment les teneurs en acides gras insaturés qui sont intéressants en fait, pour la santé de l'animal, mais aussi en termes d'impact sur la qualité de la viande qu'on aura, qui sera elle-même aussi plus riche en acides gras insaturés. Par contre, vous avez les mono-insaturés et les polyinsaturés. Et l'impact de cette caractéristique ne sera pas la même lorsqu'on fait de la salaison donc pour faire du jambon en termes de conservation. Et possiblement, les polyinsaturés n'auraient pas la même capacité à produire de la charcuterie qui serait affinée sur des durées assez longues. C'est des questions qu'on a ensemble. Hein. On n'a pas de réponse toute faite parce que peut-être que voilà, ce n'est peut-être pas si embêtant. Ça dépend le type de produit qu'on veut. En tout cas, pour l'alimentation en tant que telle, par exemple pour de la viande fraîche, voilà, là ça ne joue pas trop. Voilà, ça c'est quelque chose, c'est un point qu'on va affiner là d'ici la fin du projet. Vous avez donc là ici les teneurs en matière grasse des différents fruits, hein, notamment. Bon, finalement, on retrouve un petit peu toujours la même gamme. Hein. Donc, à noter qu'on a mis aussi l'olivier parce que les Espagnols se posent la question effectivement d'introduire quelques oliviers, hein, sachant que l'acide oléique, justement, il est très riche en acide gras polyinsaturé. Donc, du coup, voilà, là, il y a des questionnements par rapport à ça. Les teneurs en fibres également, ça fait partie des choses qu'il faut prendre en compte. Et notamment, on se rend compte aussi que les fruits à coque sont plus riches en fibres, notamment en cellulose. Mais on, contrairement au travail qu'on a fait là, donc avec Laurent sur le gland et la châtaigne, on a assez peu de données sur des comparatifs entre des fruitiers avec ou sans peau ou coque. Sachant de décortiquer également pour lorsqu'il veut manger, comme c'est le cas pour la châtaigne ou la pistache. Donc on a des questionnements aussi en termes de comportement alimentaire par rapport à ces questions-là. Vous avez ici un calendrier de production, parce qu'en fait, si on part sur l'idée qu'on va aménager des prairies, un peu comme dans l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, eh bien, ces fruitiers ils vont avoir des cames de production qui vont être étalées en fait, du printemps jusqu'à l'automne. Et l'idée, en fait, hein, après, ça s'est adapté en fait, en fonction du mode d'élevage et puis de la gestion des lots, donc des différents animaux par rapport au mode de commercialisation et des périodes d'abattage. Donc, tout ça, c'est à raisonner aussi par rapport aux itinéraires techniques de l'éleveur. Mais vous avez ici l'idée derrière que dans les aménagements, il faudra peut-être travailler sur les catégories en fait, de fruitiers pour essayer d'étaler éventuellement le plus possible donc la production de fruits, ou au contraire de concentrer par exemple la production de fruits, notamment les fruits secs, pour 2 ou 3 mois qui pourraient correspondre aux 2 ou 3 mois juste pour la période de finition donc des porcs charcutiers et avant l'abattage, pour essayer d'avoir la meilleure alimentation en termes de protéines. Sachant qu'en fait, si on donne une alimentation riche en protéines à un moment donné et qu'on laisse passer par exemple 4 ou 5 mois, l'impact sur la qualité de la viande, on le perd. Ça va être dilué en termes de qualitatif. Donc, ça, éventuellement, on peut en discuter après. Alors, par contre, ce qui va beaucoup jouer, c'est pour des fruitiers, vous savez que voilà, on a énormément de variétés disponibles. Si je prends le pommier, on a plus de 400 variétés. Et surtout, vous avez des variétés avec des productions qui vont être plutôt au printemps, d'autres plutôt en été et d'autres à l'automne. Donc, du coup, on peut, rien que sur le pommier, en fait, on peut travailler l'offre de la production sur au moins 6 mois de production dans l'année. Pareil pour les figues. Comme pour la pomme ou pour la plupart des fruitiers, il y a des caractères aussi sur lesquels il faudra travailler, c'est-à-dire la capacité de ces fruitiers à laisser tomber les fruits facilement. Parce que là, on n'est pas sur un processus de récolte manuel. Hein. L'idée, c'est que les fruits tombent assez facilement et pas au moment où ils sont trop pourris. Ça fait partie, si je prends le cas de la figue, typiquement vous avez des figuiers qui, les fruits vont rester accrochés jusqu'à maturité. Donc ça fait partie des aptitudes génétiques qu'il faut prendre en compte.
Pareil, voilà, ici vous avez deux autres exemples ben, avec les poires, on a la même caractéristique, sachant que nous, dans les échantillons qu'on a récoltés pour les analyses, on a travaillé aussi sur le poirier sauvage, hein, bien entendu. On n'est pas forcément sur du greffé, sinon ça serait un petit peu cher en termes d'aménagement, mais pourquoi pas, qu'on a la possibilité de greffer nous-mêmes ces arbres-là. Vous avez aussi la production des variétés d'abricots. En fait, on a une gamme là ici voilà, qui peut être assez intéressante en termes de calendrier. Hein. On peut travailler sur 4-5 mois de production d'abricots. L'abricot qui est peut-être intéressant par rapport à tous ces fruitiers à noyaux, c'est peut-être l'arbre qui est le plus riche en lysine, justement. Alors, le taux de lysine de l'abricot est assez faible hein, par rapport aux fruitiers secs, mais justement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, en termes de rendement à l'arbre, il est beaucoup plus élevé. Donc, du coup, voilà, en proportion, ça peut être intéressant. Voilà, ici, la production annuelle en fruits de quelques-uns de ces arbres-là. Alors, on a mis des hypothèses basses jusqu'à des hypothèses hautes, parce qu'en fait, par variété, selon le type de sol, le contexte climatique, on peut avoir une variabilité de la production qui est très forte. Si je prends le cas du chêne, par exemple, hein, qui ne figure pas ici sur ce graphe, vous avez des productions qui sont assez cycliques, qui se raisonnent quasiment sur des pas de temps de 10 ans. Sur 10 années, vous allez avoir 4 à 5 années de bonne production de glands, 3-4 années où, avec très peu de glands, et puis 1-2 années, ou peut-être 3, avec des productions très moyennes. Vous avez un métissage aussi entre les variétés de chêne qui est très très fort, avec des tailles de glands, des calibres de glands qui varient beaucoup d'un individu à l'autre. Donc autant d'éléments qui font que ce n'est pas toujours simple d'imaginer la production. Et si on ajoute à ça les interventions sur les houppiers par rapport à la densité notamment, eh bien, ça fait encore d'autres facteurs à prendre en compte pour avoir des productivités à l'hectare les plus élevées possibles, puisque c'est un peu le but du jeu. Là, on a beaucoup parlé de fruits, mais juste une petite aparté sur le cas du mûrier, le mûrier blanc ou le mûrier noir, en fait, qu'on utilise beaucoup pour les ruminants, mais traditionnellement, il était utilisé pour les vers à soie. On a beaucoup de données en fait, hein, sur la qualité nutritive de ces feuilles, qui sont souvent très riches en protéines, hein, entre 15 et 20 de protéines, donc ce n'est pas neutre. Des systèmes d'élevage de porc avec mûrier existent beaucoup aux États-Unis et au Canada, alors qu'en France, on ne l'utilise quasiment pas. On l'utilise beaucoup pour les ruminants, pour les moutons, notamment dans la partie méditerranéenne, parce qu'on utilise les anciens bergers qui étaient utilisés pour le ver à soie. Mais voilà, ça peut faire partie aussi des choses intéressantes. Vous avez ici une publication qui nous vient de Chine, qui montre que lorsqu'on administre des feuilles de mûrier dans la ration alimentaire, notamment en période de finition, on peut accroître le ratio gain en poids et par rapport à l'alimentation, on peut réduire le gras dorsal, on augmente le niveau de triglycérides dans les muscles, on augmente le niveau d'antioxydants et on peut réduire ainsi le rancissement de la viande dans les processus de conservation et de transformation. Donc voilà, ça fait partie, nous on a pas mal planté de mûriers, notamment dans certains parcs à cochons. Vous avez le mûrier il est intéressant parce qu'en fait on peut le couper tous les ans, hein, voilà, c'est quand même un arbre qui est extrêmement productif, avec des rendements qui peuvent aller de 6 à 30 tonnes par hectare, avec selon les périodes et les échéances de prélèvement. Nous, en France, dans tous les suivis qu'on a fait, alors c'était plutôt dans les projets de recherche avec les ruminants, hein, dans tous les suivis qu'on a fait, et on va encore faire un la semaine prochaine, dans des parcs à mûriers, on tourne autour de 10 à 20 tonnes de feuilles fraîches qui, voilà, prélevées par hectare. Un arbre tétard adulte peut produire jusqu'à 50 kg de feuilles. Donc 15 à 20% de protéines, je l'ai déjà dit. Donc là, par contre, beaucoup plus de fibres. Et puis, une très forte digestibilité. Hein, chez les ruminants, ça dépasse les 95%. Chez les porcins, j'ai noté 80%, mais on n'a pas beaucoup de références non plus. Il y a aussi une production de fruits qui est peut-être un petit complément, hein, qui ne sera pas énorme, mais qui peut apporter un peu d'énergie dans le système.
Voilà, pour terminer, je vais vous présenter un projet type. Alors, dans le projet agroforesterie, en fait, dans chacun des groupements, on est en train de mettre en place chaque fois 2 à 3 sites de démonstration. Vous avez donc ici le projet qu'on a mis en place dans le Gard, donc cette parcelle donc, de prairie qui faisait quasiment 4 hectares et qu'on a divisé en 4 suite à une discussion avec l'éleveuse. Et l'idée ici, c'était donc d'avoir 4 types d'aménagements, 2 haies au nord et au sud, avec une vocation de brisement, donc pour protéger des vents chauds, parce que les porcelets souffrent pas mal en fait des vents chauds. Donc il y avait l'idée aussi de faire de l'ombrage et puis une production fourragère, mais pas trop, parce que comme on est en limite. Il faut pas attirer non plus les sangliers hein, de l'autre côté de la clôture à cause de la peste porcine, même s'il y a une double clôture. Donc l'idée, c'était beaucoup plus de travailler sur le côté brise-vent et ombrage. Et puis au milieu, une allée dans laquelle, en fait, alors ça c'est pour des questions expérimentales, on a mis un arboretum, une collection de chênes à gland doux. Donc, on a planté, qu'on a fait venir de différentes zones, de différents pépiniéristes, notamment en Espagne, en Italie, en Grèce. Donc, les chênes verts de la sous-variété Biota, donc, qui sont utilisés dans la DSA, mais aussi donc, des chênes greffés. Parce qu'en fait, si vous plantez si vous reproduisez vos chênes à partir des glands, vous n'êtes pas complètement sûr de la qualité du gland que vous allez avoir, et notamment du niveau de tanin. Donc là, la meilleure possibilité, c'est d'avoir des chênes greffés. Donc là, du coup, ça surenchérit le coût de plantation, mais au moins, on est sûr un peu de la qualité du chêne qu'on est en train de planter. Pour chaque sous-division de paddock, on a mis là, par contre, des alignements d'arbres fourragés, pour le coup, et d'ombrage. Et puis, à l'intérieur des paddocks, on a installé des arbres disséminés. Donc, voilà, pareil pour du fourrage ou de l'ombrage. Donc, voilà un peu pour vous donner un peu un ordre d'idée. Donc, on a basé dans cet essai, on a mis une proportion de chênes plus importante. On a planté au total 890 arbres et arbustes sur les 4 hectares. Donc, ça fait pas une belle densité, mais bon, c'est parce qu'il y a pas mal de haies aussi. On a planté quelques fruitiers secs, hein, comme vous pouvez voir. Donc là, par exemple, on a mis des pistachiers, des amandiers, quelques noisetiers. Donc, on n'a pas en proportion, ça fait pas beaucoup. Donc, par rapport à cette question d'acide gras polyinsaturé, on prend pas beaucoup de risques. Il y a un effet de dilution qui est pas trop gênant. Et donc ça, c'est pas trop embêtant par rapport à l'aménagement et puis l'impact de cet aménagement sur l'alimentation et la qualité de la viande. Et puis donc vous voyez dans les essences secondaires, donc on a élargi la gamme fruitière hein, le plus possible. Donc on a des poiriers, des pommiers sauvages, on a du mûrier qu'on a installé, quelques légumineuses, quelques oliviers, voilà. Alors, dans les amandiers, là, il y a 2 fois amandiers parce qu'en fait, on a des amandiers, on a des pieds-mères, puis on a aussi quelques variétés greffées. Voilà, je n'ai pas mis le type d'amandier qu'on a mis. Dans d'autres projets qu'on a mis en place, on a fait des projets à tendance peut-être plus mûrier, par exemple. Là, c'était plus dans des projets où il y avait déjà des parcelles un peu arborées et qu'on a enrichi donc, soit avec du chêne à gland doux greffé, soit avec des mûriers. Dans ce projet, dans les projections qu'on fait, parce qu'en fait, là, dans tout le travail qu'on a fait là, sur la valeur alimentaire, la productivité des arbres, l'idée, c'est de travailler sur une espèce de tableur, de petits modèles pour aider un peu à dimensionner les projets, malgré les questionnements hein, qu'on a encore. Hein, donc, on n'est pas encore sûr de tous ces résultats, mais au moins d'avoir un petit tableur d'aide à la décision en termes d'aménagement, pour essayer de quantifier l'impact que ça peut avoir, nos plantations d'arbres, sur l'alimentation des cochons. Là, par exemple, avec les 890 arbres et arbustes qu'on va planter, on est sur un objectif de 8 à 10 tonnes de matière sèche par hectare, donc ce qui est quand même intéressant. Hein. Alors, donc, il faudra attendre certainement une dizaine d'années hein, pour commencer à avoir un début de production vraiment intéressant. Ça, c'est l'inconvénient hein, du travail qu'on fait. Mais voilà, on peut être sur des quantités de l'ordre de 3 kg par jour et par port, donc ce qui n'est pas négligeable.
Et on peut travailler là sur 15 à 30% des besoins énergétiques, 10 à 30% des besoins en protéines. Alors après, derrière tout ça, il y a bien entendu la question de la protection des arbres, parce que voilà, encore une fois, le cochon a un comportement assez agressif, hein, notamment en zone de chargement élevée. Donc ça, c'est les photos que je vous avais montrées, hein, d'impact de l'activité porcine sur le fouissement et des terrages, etc. Donc par rapport à ces questions-là, avant de se lancer dans la protection des arbres, on se pose toute une série de questions. Est-ce qu'il y a une distinction en termes d'impact de dégradation selon qu'on ait des arbres proches des points d'eau, par exemple? Est-ce qu'ils vont être plus touchés que ceux qui sont les plus éloignés des points d'eau ou des portes d'entrée des paddocks? Donc, c'est une question, mais c'est un peu ce qu'on observe. Est-ce qu'il faut protéger davantage ceux-là? Et si on les protège, est-ce que, ben, comme le cochon a quand même besoin de se gratter, est-ce qu'il ne va pas aller progressivement sur les autres? Est-ce qu'il y a une question d'essence? Par exemple, là, sur la photo, on est sur un peuplement de chênes verts et de chênes blancs, et a priori, les chênes blancs souffrent plus que les chênes verts, donc il y a certainement un effet variété qui joue là-dedans, donc peut-être à protéger davantage que les autres. Et puis après, ben, dans le suivi qu'on peut faire, nous, l'idée, c'est d'utiliser l'imagerie aérienne que nos collègues espagnols et italiens utilisent beaucoup, ben, pour prédire la production de glands, mais également d'évolution des peuplements en termes qualitatifs. Donc là, nous, on pourrait aussi l'utiliser pour suivre ben, l'évolution de la qualité du peuplement en situation de fort chargement pour répondre aux questions préalables. Donc, on a commencé un petit peu à faire des inventaires donc d'arbres dans ces paddocks pour voir à quelle vitesse ces arbres vont être dégradés et comment et lesquels. Voilà, donc ça demande un petit peu de travail voilà, avec des visites annuelles pendant 3 à 4, 5 ans. Donc, ça va être repris après dans les projets européens. Si je prends par exemple ici une parcelle, alors attendez, j'ai eu un petit souci de partage d'écran. Hop, je reprends. Voilà. Donc si je prends le cas par exemple d'une parcelle, là ici on est à faible densité, entouré d'une clôture. Voilà. La question c'est est-ce qu'on va protéger tous les arbres ou des groupes d'arbres ou autres? Soit des arbres individuels, alors attendez, on va choisir ceux qui sont les plus intéressants, les plus productifs, mais il ne faut pas non plus négliger la régénération en fait, de la parcelle. On peut travailler par groupe d'arbres, du coup, donc on perd de la surface de parcours, mais peut-être qu'on gagne en efficacité et finalement la protection de micro-bosquets, ça peut être intéressant aussi en termes de régénération. On travaille aussi sur l'idée d'utiliser la clôture extérieure qui est souvent électrifiée pour faire ben, des petits embouts, hein, des petits décrochages de cette clôture pour en profiter pour protéger ben, les arbres de clôture ou de coins de parcelles. Donc voilà quelques exemples. Alors ça, c'est des exemples ben, on a fait un tour de France, hein, des différents éleveurs impliqués dans tous ces groupements. Donc, ils ont mis en place ben, toute une série de protections. Alors là, ici, vous avez l'exemple des protections électrifiées. Quand on est en jeune plantation, on peut imaginer pourquoi pas, si on plante des arbres à faible densité, d'avoir des systèmes de câbles enterrés et qu'on va ressortir juste à l'endroit où il y a l'arbre qu'il faut protéger. Donc là, vous avez un exemple dans le Limousin, là, à gauche. On peut également travailler sur des câbles aériens, notamment quand on est dans des parcelles où on va avoir également des arbres un peu âgés qui peuvent éventuellement servir de support pour ces câbles aériens. En bas à droite, vous avez, alors ça c'est une photo du Pays Basque, c'est donc dans une maternité. Donc là, c'est pour la protection des truies et de ses porcelets. Donc là, eh bien, l'éleveur a utilisé l'électrification de la clôture pour faire voilà, des petits détours pour protéger des arbres qui ont été plantés dans les coins ou à proximité de la clôture. Donc ça, c'est ce qui coûte finalement assez peu cher, à part quand il faut enterrer, mais là, tout dépend le type de sol qu'on a. L'électrification, donc enterrée, elle est intéressante quand on est dans des parcs plats,
Mais dès qu'on est en montagne, avec un fort niveau de chargement en cailloux, là, c'est effectivement beaucoup plus compliqué. On sera beaucoup plus éventuellement sur de l'aérien que sur du souterrain. Dans le projet, on teste aussi des clôtures particulières qu'on appelle des Ursus cactus. Donc, vous le voyez ici à l'image. Donc, ça nous vient d'Espagne. Donc, c'est pas mal utilisé donc, dans la DSA ou dans les parcours de cochons hors DSA également. Hein. Donc, c'est des clôtures, vous voyez, donc, de type Ursus, mais chaque fois hérissées de petits pics, donc très piquants. Et vous avez différents formats. Vous avez des dalles qui font 1 mètre sur 1 mètre ou 1 mètre sur 1,60 m et qu'on va enrouler autour des jeunes arbres. Ou éventuellement, vous voyez aussi à l'image en haut à droite, ça peut être des dalles de 30 cm sur 1 mètre et qu'on va venir mettre autour des arbres pour éviter les frottis autour des arbres. Donc, on a testé ça donc, dans plusieurs parcelles et ça sera testé dans toutes les régions, là, dans tous les groupements. Pour l'instant, les retours qu'on a sont plutôt positifs. Donc, c'est-à-dire que chaque fois qu'on a fait des plantations avec ce type de protection, ça marche pour l'instant très bien. Donc, en fait, il faut mettre 3-4 tores. Là, ici, sur la photo, c'est des tores, donc des fers à béton qui font 8 à 10 mm. Personnellement, je préfère aller jusqu'à du 14 pour que ça soit un peu plus costaud et qu'on a la possibilité de mettre même des piquets de vigne, des piquets cornières qui sont beaucoup plus résistants par rapport à éventuellement l'arrivée d'un cochon, même si, encore une fois, il le laisse assez tranquille. Juste pour la petite info, donc en bas à droite, vous avez ça, c'est en terre de Bigorre, vous avez des sols souvent où il y a beaucoup de grosses pierres. Et pour protéger les plus beaux arbres, souvent les agriculteurs mettent ces pierres autour des arbres, avec le double avantage, c'est que les cochons vont se gratter, se frotter sur ces pierres, et ils vont laisser tranquille l'arbre, à la fois au niveau du tronc, mais également les racines à proximité directe de l'axe du tronc. Donc ça, c'est plutôt intéressant quand on a cette possibilité. On se propose de tester donc d'autres types de protection, mais qui sont plus chers, a priori. Voilà, vous avez ici différents types de protections qui nous viennent plutôt un peu de ce qu'on fait en ville, hein, quelque part. En bas au centre, c'est une protection bois, donc avec du robinier. En fait, dès qu'on met une protection bois avec des cochons, il faut vraiment mettre des sections très, très importantes parce que sinon, ça résiste pas autant. Mais même. Comme cela, je pense qu'on est sur des protections qui peuvent durer 10 années. Donc, ça reste du transitoire, selon moi. On se propose de tester des buses en béton. Alors, ce n'est pas très esthétique, mais ça peut être intéressant de planter à l'intérieur. Ça fait de la fraîcheur, ça met le pied de l'arbre à l'ombre et on peut planter 2 ou 3 arbres ou arbustes à l'intérieur, hein, pourquoi pas. Et ça sert de grattage, effectivement, pour le cochon. Alors attention parce que les cochons peuvent déplacer assez facilement, hein, y compris des buses de ce type-là. Alors il faut mettre des buses de 80 à 100 cm de diamètre et les enterrer légèrement dans le sol et éventuellement renforcer avec 2 ou 3 fers à béton peut-être de 50 cm juste pour empêcher que la buse rippe sous les coups de boutoir des cochons. Alors là, l'idée, c'est d'en mettre peut-être un par paddock pour avoir en fait des grattoirs et que les cochons laissent les autres arbres tranquilles. Alors, dans le projet, ce qu'on va faire aussi à partir de cette année, c'est qu'on va installer des capteurs de température et d'humidité dans les différents peuplements avec différentes densités. Et tenter de faire des suivis du déplacement des cochons pour essayer de commencer à calculer le niveau de stress thermique des cochons avec ou sans arbre ou avec ou sans enfin selon le type de densité d'arbres qu'on va avoir sur les parcelles par catégorie, donc pour les porcs charcutiers, les truies et les porcelets. Donc dans les perspectives. Eh bien, on va poursuivre l'analyse des fruits hein, jusqu'à la fin de l'année et on va essayer d'imaginer des protocoles pour poursuivre hein, ce travail-là, comme on l'a fait sur les feuilles dans le cadre des projets de recherche avec les ruminants. Travailler un petit peu plus sur la compréhension
des mécanismes entrant dans la chute des fruits et la valeur des nutritive des fruits quand ils arrivent à maturité et leur évolution dans le temps, hein, c'est-à-dire que quand ils commencent à pourrir, voilà, est-ce que ça peut poser problème ou pas par rapport à l'alimentation du cochon. Travailler un peu plus sur le recensement des variétés locales. Donc là, on travaille avec le Centre national de pomologie, avec qui on va travailler justement sur l'ensemble des fruitiers que j'ai cités pour voilà, inventorier un petit peu toutes les races rustiques et locales, pour voilà, avec notamment des indications en termes de période de fructification et de rendement. Après, il y a une action qu'on aimerait mener sur la pétence des différents fruits, parce que là, on a planté beaucoup de choses, par exemple, dans le projet que je vous ai montré, mais on n'est pas tout à fait sûr non plus de ben, est-ce que les porcs vont manger de tout et comment ils vont manger. Est-ce que ça va être voilà, tout ensemble ou tel fruit plutôt qu'un autre, quand il y a une espèce d'offre de type cafétéria, on peut avoir des comportements alimentaires un peu différents. Donc, voilà, une chose, c'est de calculer le rendement potentiel qu'on peut avoir à l'hectare, et l'autre chose, ça va être quelle quantité de cette production les cochons sont capables d'ingérer. Sur les aspects aménagement, eh bien, on travaille toujours sur les critères techniques qu'on pourrait mener pour améliorer la productivité des arbres, hein, donc en termes de densité, d'intervention sur les houppiers, de taille des arbres, et qui soit adapté par rapport aux besoins des différents types de cheptels, hein, encore une fois, en distinguant porc charcutier, truie et porcelet. Et quand je dis charcutier, on distingue effectivement, hein, la partie aussi engraissement et la partie finition, bien entendu, quoi, hein. Et puis après, donc là, on a commencé aussi à travailler sur les aspects technico-économiques, c'est-à-dire que là, tout ce qu'on vous propose là, ça représente un investissement donc, qu'il faut amortir. Est-ce qu'on le retrouve au niveau de la marge brute à l'hectare ou la marge brute dégagée par cochon? Donc là, c'est tout le travail qu'on est en train de faire à présent. Voilà, vous pouvez retrouver un peu et vous retrouverez tous les résultats au final du projet, hein, sur le site internet et qui vous a été envoyé d'ailleurs avec l'annonce de ce webinaire.